Bon, d'accord. Ben, nous sommes prêts. Bien oui, je l'espère aussi. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Ah, Sylvie, faut que je te parle. Ben, pas vraiment, c'est important. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Suis-tu à cause de mon magasinage d'hier? J'avais besoin de nouveaux tailleurs et t'en sors de la 349,95 chacun. Je peux pas passer à compter d'une nouvelle morte. Non, non, c'est pas ça. Pourquoi? Oh, c'est la femme de ménage. Tu l'as fait à la surprise avec toutes les caméras installées pour la surveiller. Non plus, c'est... C'est ma nouvelle porte. T'aimes pas ça? Oh, ça te porte très bien. T'es super belle! Adopter un style de vie genre
Simplicité volontaire? Ok, de quoi c'est barrage? Bon, ben... C'est un peu compliqué, là, mais j'ai passé par une liste pour chacun. Des pour et des contre, après, on prendra une décision. Des pour et des contre. Ben oui, deux colonnes, tu sais. Une pour les raisons qui nous pousseraient à s'en débarrasser, et une autre pour les raisons qui nous pousseraient à le ou la garder. Oh, je suis pas content en train de penser à ça. Simplicité volontaire? Attends, viens, tu prends un papier. Alors, on commence, ça? Bon, je sais pas, moi. Oh, ben tiens, commençons par ton père. Ben, j'aime mon père. Tu pensais que c'est mon père? C'est lui qui m'a donné la vie. Ben non, c'est ta mère, ça. Quand même particulier un peu. Bon, ben, commençons par les enfants. Ben, je pense qu'on devrait en parler avec eux ce soir. Comme ça, on ne passera pas le blanc tout seul, puis... Si on est chanceux, peut-être quelqu'un va s'offrir. On devrait offrir une prime de départ qui s'entend. Hein? Ben là, de combien, là? Ben, je ne sais pas. Moi, c'est toi, négociateur. Tu négocies pas. Bon, ok. On a un petit de trop souper ce soir. C'est ça. Bonne journée. Liberté financière que l'on risque de perdre dans les mois à venir et qui pourrait perturber notre vie familiale. Ah!
acte de casser. Importante décision. Je fais une bière. Ça veut-tu dire qu'il va falloir que je change de chambre? Hey, plus de cours du soir. Plus de cours du soir! Moi, si je comprenais, on va faire un choix important. Mais choisir entre quoi puis quoi? C'est simple. Vous pouvez dans le grand. Yes! On va être en train d'avoir un cours du soir. Oui! On va enfin pouvoir sortir avec nos amis. Ah oui, moi! Aller au cinéma, genre, faire des films de cocon! Oh, ben, ça, non, pas question. Ben, je tiens à ce que mes enfants soient cultivés. Mais qu'est-ce qui est plus important? Les enfants, eux, ou cultivés? Bon, c'est quoi le choix? Bon. Ce sera pas facile. Oh mon Dieu! Ben, c'est quoi? Ben, abouti, genre, c'est quoi les choix? Bon, mais bien voilà. Votre mère et moi, ben, nous avons décidé, d'un commun accord, de vous consulter pour savoir lequel d'entre nous sera choisi pour quitter la maison. Ça veut dire quoi, ça, quitter la maison? Ouais, est-ce que c'est genre comme dans Occupation double Big Brother, où on vote pour celui qui devra, genre, partir? Finalement, moi, genre, ça me dérangera pas trop ce style de changer de chambre, comme... Eh bien voilà, étant donné le contexte... Ah, commence pas avec ça, le connais, ce bout-là! Allô? Sylvie, tu peux-tu nous expliquer ce que ton Michel veut dire par quitter la maison? Ben c'est simple, là, Popsy, vois-tu? On va pour celui qu'on va faire, puis ensuite, ben, il s'en va! Oh, ben ok, j'ai compris. Non, reste papy, moi je serais curieuse de voir les votes. Ok. Ouais, mais, avant de voter, là, faut savoir s'il y en a qui sont en danger, puis s'il y en a qui ont l'immunité, genre comme dans l'Occupation double, puis Big Brother. Bon, ben, on vote pour celui qui a l'immunité. Moi, je vote pour papy. Moi aussi. Ben là, c'est pas tout à fait comme ça que ça doit se passer, là. Un instant, vous avez choisi le jeu, nous on fait règle. Ben là, c'est bien gentil, les affaires, là. Je peux pas croire qu'on va vraiment éliminer quelqu'un. Puis pourquoi vous voulez donner l'immunité? Parce que t'as toujours été là pour nous comparativement à d'autres. Parce que t'étais toujours là pour nous écouter, genre qu'on avait des styles de problèmes. Oui, puis t'étais toujours là pour nous consoler quand on avait de la chance de perdre. Parce que si tu pars, on part avec toi. Respectueux de vouloir éliminer un membre de la famille, peut-être? Ben oui, mais on veut faire ça pour le bien de tout le monde! Le bien de tout le monde!
voir nos enfants grandir, quitter la maison, ben, on s'est viré de bord de pouvoir nous retrouver tout seul. On était un peu jaloux de papy aussi qui avait tout son temps pour prendre soin de nous autres pendant que nous autres, ben, on se tuait au travail. Aujourd'hui, je réalise que nos priorités, nous ne les avons pas mises à la bonne place. Bon, c'est assez, là, c'est assez. On arrête tout ça, là. On va trouver une autre solution. Ben, qui c'était volontaire? Oui.